le CESVAC, Centre d'études spirites vendéens, présente. La petite vigne. Spiritisme pour la jeunesse. Épisode numéro 12. La foi. Et t'es qui, toi ? Oh, pardon, vous ne me connaissez pas ? Je suis Spiritino et je cherche mon cousin Spiritou. J'ai appris qu'il allait vous parler de la foi. Je veux être là, car c'est lui qui m'a aidé à avoir la foi. Et c'est drôlement bien. C'est la certitude de l'existence des choses spirituelles, malgré le fait qu'elles échappent souvent à nos sens physiques. La vision, le toucher, elles sont réelles. Cette certitude peut venir de l'observation des phénomènes spirituels, de notre réflexion sur les phénomènes de la vie, ou par des informations sur les réalités spirituelles qui nous ont été données par d'autres personnes en qui nous avons confiance. La foi religieuse est la croyance dans des idées fondamentales qui sont propres à chacune des religions. Et comme le dit le dicton, à chaque église sa parole. Poussée à l'excès, elle peut conduire au fanatisme. C'est une foi aveugle. La foi raisonnée, c'est la foi véritable, qui repose sur la compréhension des lois du monde créées par Dieu. Elle nous aide à comprendre qui nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, venus du plan spirituel, incarnés ici pour progresser. Avec elle, nous savons que nous pouvons agir sur les choses et les êtres, et comment nous devons le faire. Elle nous aide à faire le bien, car c'est le seul chemin pour tous. Elle nous assure de la protection et de l'aide de Jésus et de nos anges gardiens quand nous faisons le bien. La foi doit être un moteur qui nous pousse à pratiquer le bien. À quoi sert d'avoir une voiture de Formule 1 qui reste dans un garage ? Elle doit plutôt être mise sur la piste pour qu'elle puisse rouler très vite. Ben c'est pareil avec la foi. La garder pour nous est inutile. Nous devons pratiquer l'amour sans frontières. Car la foi est mère de toutes les vertus. Comme une fleur, elle doit s'épanouir. Alors, agissons dans le monde en aimant nos frères et en aidant ceux qui sont dans le besoin. Celui qui a la foi travaille avec confiance et joie. C'est une foi comme celle-ci qui transporte les montagnes, qui fait supporter les souffrances, dépasser les difficultés, transformer les situations et les personnes. Et c'est à ce résultat que nous amène le spiritisme. Nous avons tous déjà une foi. Et avec cette foi, même si elle est encore petite, nous avons déjà réussi à accomplir des choses, à dépasser des difficultés et à supporter des situations. Et si nous la cultivons, notre foi grandira et nous permettra des choses plus importantes. Elle nous aidera dans les moments difficiles. Nous ne connaissons pas vraiment l'énergie qui est en nous, cette énergie qui fait se réveiller en nos cœurs la foi. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à aimer Dieu. Nous sommes nés avec cette inspiration divine déjà au fond de nos cœurs, même si, bien souvent, nous laissons ce sentiment endormi. Mais en s'éveillant, la foi nous pousse à faire des miracles. Le spiritisme nous enseigne que de tels miracles sont les effets de causes naturelles. La foi sincère et vraie est toujours calme. Elle donne la patience qui sait attendre parce qu'elle s'appuie sur l'intelligence et sur la compréhension des choses et elle est certaine de son but. La foi sincère est entraînante et contagieuse. Elle se communique à ceux qui ne l'avaient pas.